Aujourd'hui, Caillou a visité le zoo pour enfants avec maman, papa et Mousseline. N'aie pas peur, Mousseline, c'est des moutons. Ils sont doux et gentils. Tu vois? Bisous de chèvre. Merci. Hé, va-t'en, toi. Dégage, va chercher ta propre glace. Qu'y a-t-il, Caillou? Oh, ta glace est tombée. C'est pas grave, tu en auras une autre. C'est pas ma glace, c'est mon nez. Une abeille m'a piqué. Oh, mon pauvre Caillou. Tiens, cette crème aidera. Pourquoi elle m'a piqué, maman? Eh bien, elle pensait peut-être que tu voulais lui faire mal, Caillou. Oui, j'ai essayé de la frapper. Elle essayait de manger ma glace. Caillou, il ne faut pas frapper les abeilles. Ce sont des petites créatures admirables. Suivons-la et voyons où elle va aller. C'est sa maison? C'est ça, Caillou. La maison des abeilles est une ruche. C'est une grande maison pour une petite abeille. En fait, des milliers d'abeilles vivent dedans. Écoute bien et tu les entendras. On dirait un avion qui vole. Que font celles-là? Elles collectent du nectar pour fabriquer du miel. Les abeilles aiment le sucré. Comme les glaces? C'est ça. Cette abeille ne voulait pas te faire de mal. Elle voulait juste un peu de ta glace. Elle devrait dire « s'il vous plaît ». Allez, je connais une chose qui va te faire plaisir. Regardez, un cheval. Presque, Caillou. C'est un âne. Excusez-moi, on peut monter sur l'âne, ma sœur et moi? Oui, bien sûr. C'est très haut. Tenez, pour votre protection. Tiens bien ta sœur, Caillou. Nous ne voulons pas que l'un de vous tombe. Génial! Il doit être très fort pour nous porter tous les deux. C'est vrai. Les ânes peuvent être petits, mais ils sont très forts. Comme moi.